d'appeler le spectacle France Fantôme, c'est de prendre la France et de la retourner par le moyen de la fiction, d'en faire un négatif, donc de peut-être parler de tous les thèmes qui ont animé la France ces dernières années, mais de les prendre avec une totale liberté, et ce par le biais de l'anticipation. Voilà. Et fantômes, les fantômes, ce sont des êtres entre deux, entre la vie et la mort, des êtres errants, ectoplasmiques, mais qu'on voit bien, et qui bon, voilà, font partie de toutes les mythologies de tous les pays depuis les débuts de l'humanité. Et Jacques Derrida disait que plus il y a de technologie, plus il y aura de technologie, plus il y aura de fantômes. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va... ces croyances ne vont pas s'arrêter avec les progrès de la science. Au contraire. Marcel Proust a écrit des très belles pages, par exemple, sur le téléphone, où il dit on a l'impression que la personne est là, juste à côté. Plus il y aura de technologie, plus la présence des absents va se propager. Et c'est cette dualité qui semble a priori contradictoire qui m'intéresse entre nos croyances, quelque chose de la sensation, de l'âme, et puis de l'ultra-technologique, et de faire cohabiter les deux.